Bien, oui, bonjour. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous faire part de mon dilemme par rapport à la chaîne, puisque j'ai plus d'impatience en fait vis-à-vis de la chaîne. Parce que d'une certaine manière, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, fait le tour de ce que je pourrais parler en fait. Souvent c'est plus une question de réflexion des choses que je me dis à moi-même. La réflexion, je me dis à moi-même, de faire moi-même, la réflexion que j'ai sur la vie, sur le monde actuel. Donc parfois c'est peut-être pas forcément quelque chose qu'on partage d'une certaine manière. C'est-à-dire que voilà, on peut partager sa connaissance, son savoir. Ouais, c'est un peu les deux, c'est un peu la conviction, la réflexion. Donc c'est vrai que c'est pas forcément vrai. C'est ma réflexion. Et donc, parfois, j'ai l'impression que ça passe un peu inaperçu, un petit peu. Voilà. En fait, si vous voulez, ce qu'il y a, c'est que je bosse. Je viens de terminer mon dernier album, qui va sortir le 7 mai, où j'ai de nouveau signé le label. Enfin, j'ai de nouveau le label. Qui va distribuer cet album-là. Petit label, mes grands cœurs. C'est une excellente chose. Mais ça fait plus de 15 ans que je travaille sur ça, que j'ai toujours essayé de faire les choses. En musique, pour y arriver, j'ai fait énormément de groupes, j'ai fait énormément de choses. J'allais en répète, même par les moyens qui s'imposaient, enfin bref. Et bon, aujourd'hui, là, j'ai mon petit groupe où j'ai tout seul, bien sûr, encore une fois. Et où, ben voilà, aujourd'hui, ça prend de l'ampleur parce que je reçois d'excellentes critiques. Or, il se trouve que, voilà, j'ai pas forcément les coffres d'un héros sur YouTube. Peut-être que j'ai fait la chaîne un mauvais point de départ, quelque chose qui n'était pas forcément. En fait, la musique, si vous voulez, j'ai toujours fait par pur bonheur, par pur plaisir. La chaîne aussi, je l'ai fait par plaisir. Mais à un moment, je pense que je me suis perdu et je me suis trop donné des visions sur ce que j'avais réussi à faire ou pas. Aujourd'hui, voilà, c'est différent. La chaîne tourne moins en moins, enfin, tourne toujours, mais après, c'est peut-être mon contenu qui est pas forcément attractif, qui n'impose peut-être pas assez de choses. Il y a d'excellentes vidéos, mais il y a aussi beaucoup de vidéos qui pourraient être refaites ou montrées différemment. Bon, en fait, si je fais cette vidéo, c'est parce que parfois j'ai envie d'arrêter la chaîne. Je suis dans un espèce de cyclone. C'est-à-dire, parfois je suis sûr et certain d'arrêter, et puis quelques jours après, je suis un peu en mode recul et je me dis, bah, pourquoi pas continuer. Cette vidéo, ça fait 3 ou 4 fois que je la refais, parce que je me dis que de dire que j'arrête la chaîne comme ça, c'est pas forcément sympa non plus. Même si j'arrête cette chaîne, je n'arrêterai pas YouTube pour autant. Je vous tiendrai au courant de toute manière. Il y a un autre projet qui est en cours. Rien n'est officiel, c'est pour ça que j'en parle pas. Voilà. Parce que même si j'arrête la chaîne, il y a un film en préparation
Là, c'est plus de la préparation quand même. Il y a le livre aussi, mais ça, c'est en stand-by aujourd'hui. Là, j'étais vraiment sur l'album, là, puisqu'il y a quand même eu 6 mois de retard quoi. Non, en lien avec le Covid, tout simplement parce que j'avais envie de faire mieux. Et sur la musique, c'est vrai, je prends toujours du recul avant de faire quelque chose. Et du coup, bah, c'est vrai que pour la chaîne, c'était un peu différent. Voilà. Voilà les amis, bon, en gros, peut-être que j'arrête la chaîne. Peut-être que je vais... Voilà. Motivation est partie, mais aussi parce que j'ai fait les vidéos, je m'attendais à avoir des retours. Puis bon, bah, voilà. Bon. Après, je suis aussi des chaînes YouTube, et c'est vrai que parfois on s'abonne, mais on regarde pas toujours les vidéos, et on les regarde pas toujours jusqu'à la fin. Et puis on ne regarde pas toutes non plus. Voilà mes amis, je vous dis à bientôt. Laissez-moi des commentaires surtout. Montrez-moi, vous êtes présent, montrez-moi. Il me faut juste un peu cette flamme, juste un peu de retour, juste un peu de commentaires, de partage, de like. Juste histoire de voilà, de montrer qu'il y a quelque chose, quelqu'un derrière et qui suit un peu la chaîne. Je sais qu'il y en a, je sais qu'il y en a toujours. Voilà, c'est juste une histoire de remotivation. Pour gonfler le voilà les amis, laissez-moi des commentaires si vous voulez pas que j'arrête, et puis la décision sera prise d'ici quelques temps. Voilà mes amis, je vous dis à très bientôt. Dans la vie, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.